Alors, il y a des personnes à Jérusalem qui vont prier au Kotel. Et il y a des choules qui ont plusieurs minyanim, un à côté de l'autre. Et ça arrive qu'il y a des minyanim qui ont prié arvit, après le plague. Et des personnes qui veulent rester encore un peu à la synagogue ou aux entours. Et là, ils écoutent une kdusha. Mais cette kdusha, c'est de mincha. Et ils ont déjà prié arvit, ils ont terminé de prier. Est-ce qu'ils ont le droit de répondre à la kdusha de mincha? Ou pour eux, c'est devenu la nuit maintenant. Lorsqu'ils ont prié arvit, c'est comme si c'était la nuit. Il n'y a pas la kdusha la nuit. Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit de répondre à cette kdusha de mincha, puisque encore on a le droit de prier mincha jusqu'à la nuit, jusqu'à la tombée de la nuit. Et moi qui ai prié tôt, après le plague, arvit, j'ai le droit de répondre, même si c'est l'El Shabbat. Même si c'est l'El Shabbat, et moi j'ai prié arvit de l'El Shabbat, et après le plague, et en passant, il y a un minyan et j'écoute la kdusha, j'ai le droit de répondre sur cette kdusha. Mais il faut pas, si c'est un jour férié, un jour chol, ils sont neuf, ils me demandent de venir pour avoir le minyan. Si c'est un jour qui est chol, d'accord. Mais si c'est un Shabbat et il leur manque une personne, il faut pas, parce que puisque toi tu as reçu Shabbat, pour toi c'est Shabbat, tu vas pas être le dixième dans un minyan de chol.